Nous sommes ce week-end sur le circuit de Magny-Cours pour le Classic Day. Bonjour Olivier Panis. Bonjour. Vous êtes l'invité d'honneur des Classic Day. Vous appréciez ce titre ? Oui, bien sûr, c'est un grand plaisir. J'étais jamais venu, c'est une drôle d'expérience. Je ne m'attendais pas à un événement aussi important, avec autant de passionnés, autant de voitures, donc un grand plaisir. Vous aimez l'ambiance sur le circuit de Magny-Cours ? J'adore. Moi, Magny-Cours, j'y ai habité ici quand j'étais chez Ligier, donc j'ai fait 10 Grands Prix de France ici. Bah, c'était le Grand Prix français, donc évidemment que j'ai des très bons souvenirs et c'est un circuit que j'aime beaucoup. Cette année, il y a un double événement. On célèbre les 30 ans du premier Grand Prix de France de Formule 1 sur le circuit et les 60 ans du circuit de Magny-Cours. Ça a marqué votre mémoire ? Bien sûr, c'est un circuit, avant qu'il soit refait, c'était déjà un circuit très connu où il y a eu des courses incroyables avec des pilotes incroyables. Et après, il y a quand même eu, je crois, une quinzaine de Grands Prix de Formule 1 de mon époque. Donc moi, j'en ai déjà fait 10. Évidemment, c'est quand même des chiffres qui sont impressionnants. Vous êtes nostalgique de certains véhicules ? Oui, je suis nostalgique de certains véhicules, oui. Par exemple, toutes mes F1, qu'ils étaient bonnes ou moins bonnes, j'ai eu toujours beaucoup de chance de conduire ces voitures. Et après, ma voiture nostalgique, qu'est-ce que je pourrais dire nostalgique ? J'avais une Mustang Eleonore de 67 et un jour je l'ai vendue et je le regrette. D'ailleurs, vous avez repris le volant de la Prost Grand Prix. Vous pouvez nous en parler et de vos sensations de toutes ces années ? Bah, c'était magique, hein, honnêtement. Ça faisait 15 ans que je n'avais pas mis les fesses dans une F1 et de remonter dans une F1 de l'époque 2000-2001. Bah, je ne me rappelais plus que ça accélérait autant et que c'était aussi dur physiquement, mais c'était un plaisir fou, quoi. Je me suis régalé vraiment. Et au niveau des sensations avec l'écurie Prost Grand Prix, qui était éphémère, vous avez gardé de bons souvenirs ? Non, j'ai gardé de très bons souvenirs avec Prost Grand Prix. Je pense que c'était l'une des plus belles aventures qui aurait pu exister. Bah, elle ne s'est pas finie comme on l'aurait tous aimé. Voilà, ça, c'est comme ça, ça fait partie de la course et de la Formule 1. Je pense que vous devez avoir des meilleurs souvenirs de pilote selon vos plus belles courses, vos plus belles victoires. Bah, allez, j'ai eu plein de très bons souvenirs. La victoire de Monaco, plein de podiums, Adélaïde, Brésil, et j'oublie. Donc oui, j'ai eu beaucoup de souvenirs. Dans quelle voiture avez-vous eu le plus de sensations et de plaisir dans votre carrière ? Je dirais le Grand Prix de Monaco, parce que j'avais une voiture incroyable, je me sentais vraiment en osmose avec elle et cette victoire au bout. Vous aimez la glace avec le trophée Andros, il faut un apprentissage particulier pour gagner cette compétition ? C'est très particulier, en fait, tout ce que tu as appris pendant des années, il faut faire tout réapprendre à zéro, c'est une catégorie très difficile. Avec une façon de conduire très différente, mais c'est magique, magique. D'ailleurs, on va te retrouver à la fin de l'année pour une édition. J'espère, on fait tout pour. Maintenant, vous êtes à la tête de Panini Racing. Vous êtes toujours dans l'actualité du sport automobile. Vous constatez une énorme évolution par rapport à vos débuts de pilote. Oui, c'est un travail différent des team managers. C'est moins une pression personnelle, mais d'un autre côté, c'est beaucoup de stress aussi, on veut que ça marche, on veut que ça gagne, on s'occupe de nos pilotes. Mais j'aime beaucoup, j'ai la chance d'avoir des associés qui sont Simon et Sarah Abadi, qui connaissent bien la course depuis très longtemps, avec qui on s'entend très bien et on est en train de construire une très belle équipe. Fabien Mercier, c'est tout le temps avec toi, non ? Oui, toujours, Fabien, c'est un ami de longue date, Fabien, c'est un passionné de voiture et Fabien est toujours à nos côtés. Au niveau de la Formule 1, par rapport à tes débuts et maintenant, comment tu la vois avec le trust de Mercedes ? Bon, sur moi, il y a un peu de combat. Ouais, moi, je ne peux pas dire de mal de la Formule 1, ça fait partie de ma vie. J'adore ça, j'adore la Formule 1. C'est une ère différente, moderne, qui me parle moins parce que je ne la connais pas. Mais quand il y a des beaux Grands Prix et des beaux vainqueurs, moi, ça me va. Comment voyez-vous l'avenir du sport automobile ? Ben, j'espère, je la vois bien. Je ne pense pas qu'on pourra se passer de sport automobile. Après, les énergies du futur, honnêtement, je ne suis pas convaincu qu'on ait trouvé encore. D'ailleurs, la motorisation électrique qui nous pousse les gouvernements, que ce soit en compétition ou en voiture tous les jours, comment tu le vois ? Ça m'intéresse pas, ça ne me parle pas. Je ne suis pas prêt à tout ça. Parce que je trouve plus que c'est de la politique que vraiment de la réalité. Vous devez être fier de votre fils Aurélien, qui est un passionné comme vous. Le verra-t-on un jour à F1 ou pourquoi pas dans le team Panis Racing ? Moi, je suis très fier de mon fils pour plein de raisons, qu'il soit pilote ou pas. C'est quelqu'un de génial.
C'est quelqu'un de très rapide, mais à un moment donné, la Formule 1, on sait les moyens qu'il faut pour y accéder. C'est même lui qui m'a dit, écoute, moi, je veux être professionnel dans le sport auto, il n'y a pas que la Formule 1. Donc, il était, et aujourd'hui, il est pilote Audi officiel en GT3. Et l'avoir chez Panis Racing, ça serait un grand plaisir, mais il m'a dit, d'abord, je veux me faire mon propre expérience, mon propre nom, et après, je viendrai peut-être rouler chez toi. Parce que pourquoi pas, tu aurais pu l'embaucher pour les 24 heures Oui, non, mais ça me trotte dans la tête, mais c'est à lui de décider, c'est pas à moi. On te remercie, Olivier. Merci beaucoup.